Bonjour, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bonjour, je m'appelle Théo Delba, je suis en 6e. Et j'habite à Tourcoing. Bonjour, je m'appelle Amandine Vandemel, j'ai 14 ans, j'habite à Tourcoing. Et je suis au collège communautaire. Je m'appelle Jérôme Demieux, je suis en 5e, j'ai 12 ans. Et j'habite à Lille. Je m'appelle Tracy, j'ai 13 ans. Et j'habite à Tourcoing. Je m'appelle Anissa Fasca et j'ai 10 ans. Et j'habite à Tourcoing. D'accord. Est-ce que tu as aimé le projet? Oui. Pourquoi? Parce que j'ai appris à chanter. Mm-hmm. J'ai appris la sécurité routière. D'accord, ok. Donc qu'est-ce que tu as appris dans la sécurité routière? À chanter. D'accord. Alors, est-ce que tu as aimé le projet? Oui. Pourquoi? Parce que j'ai appris beaucoup de choses sur la route, ce qu'il fallait faire attention, ce qu'il fallait faire et ce qu'il fallait pas faire. D'accord, ok. Est-ce que tu as apprécié le projet sur la sécurité routière? Oui. Pourquoi? J'ai appris à chanter. Mmh. Quoi d'autre? J'ai appris un peu la route, les virer. D'accord. Oui. Pourquoi? Parce que je chante. J'ai appris des choses. T'as appris à chanter? Oui. Qu'est-ce que tu as appris d'autre? À pas griller les feux rouges. Tu conduis? Bah non, mais en trottinette. Ah d'accord. Bah j'ai appris à chanter, à respecter le code de la route. Par exemple, pas griller les feux rouges et s'arrêter au stop. Mm-hmm. C'est très bien. Tous les trucs de la sécurité routière. D'accord, c'était instructif pour toi? Ça veut dire quoi? T'as appris beaucoup de choses, c'était Oui. Enrichissant? Oui. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire sur les routes? Qu'il faut s'arrêter au stop, que les 60 heures, il faut pas les prendre. Les feux rouges, il ne faut pas les griller. Et il faut faire attention quand les gens passent au passage piéton. D'accord. Troisième question. Si on t'en donnait l'occasion, est-ce que tu le referais? Oui. Est-ce que tu referais un projet comme ça? Oui. Ça t'a beaucoup plu? Oui. D'accord. Bah, comme boire, fumer, griller les feux rouges, plein de trucs comme ça. D'accord, ok. Si on t'en donnait l'occasion, est-ce que tu referais le projet? Oui. Parce que j'ai beaucoup aimé. Et enfin, si tu avais un message à transmettre à ceux qui te regardent et qui t'écoutent, qu'est-ce que tu dirais? Attention à la route. Bah, faut respecter le code de la route et... Attention à vous. Attention à vous? Je peux leur dire à eux, en regardant la caméra. Attention à vous. Bah, il faut faire très attention à la route, aux personnes, et voilà. Il faut faire un peu plus de attention à la sécurité des autres. Merci Théo. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, je m'appelle Jean-Marie Maillet, je travaille comme animateur à la Maison Saint-Vincent à Tourcoing. Donc bonjour, je m'appelle Wesley Martins, je suis animateur socioculturel pour l'association Damas depuis un an et demi et je m'occupe des ateliers, de l'animation des ateliers écriture de texte. D'accord. Qu'est-ce que vous avez pensé du projet? Dis-le que c'était un bon projet, mais peut-être qu'on s'est rendu compte aussi que le public était un peu trop jeune, que finalement ils se sont pas tellement intéressés au côté sécurité routière et tout ce que ça implique. Ils se sont plus investis dans le fait de chanter, de faire du rap, d'écrire des textes. Et c'était peut-être pas la finalité du projet, mais finalement, en tout cas, pour eux, c'était très bien aussi. C'était une piste intéressante et finalement, ça s'est rejoint en finalité. Donc je pense que le projet dans l'ensemble s'est bien déroulé. Les jeunes ont été très intéressés par le côté artistique du projet, donc la partie écriture, chanter, enregistrement et tournage du clip.
se sont beaucoup amusés. Ils étaient réguliers. D'accord. Est-ce que les jeunes ont apprécié le projet ? Oui, les jeunes ont, je crois, ils se sont beaucoup mobilisés. La preuve, ils ont été ponctuels, ils ont été là régulièrement, on n'a pas eu à les pousser pour venir. Donc oui, ils ont beaucoup apprécié le projet. C'était un bon projet, ils l'ont mené de bout en bout, ils se sont mobilisés. Je pense que oui, ils ont été sensibilisés au code de la route. Après, évidemment qu'on ne peut pas refaire le monde en quelques semaines. Donc je pense qu'ils ont appris certaines choses, on les a sensibilisés sur certains points. Okay. Est-ce que vous pensez qu'ils ont été sensibilisés par le code de la route ? Comme je le disais au début, moi, un peu, bien sûr, ça, le fait de d'écrire des textes sur le sujet, ça a forcément un peu alerté leur conscience, on va dire. Mais bon, pour autant, je pense qu'ils ont plus vu le côté artistique, chanter, être face à la caméra que le côté sécurité routière. Un petit peu moins, quand même. D'accord. Je te remercie, Jean-Marie. C'est pas de quoi.